Bonjour et bienvenue à cette série de vidéos créée par les étudiants du TCU 452 de l'Université du Costa Rica. Aujourd'hui, nous regarderons les prépositions des lieux de pays. Alors, on va commencer. Préposition A. On va utiliser la préposition A devant les noms de villes, par exemple, à Paris, à San José, à Berlin, à Tokyo. Je vais aller à Tokyo pour les vacances. Préposition en. Avant les noms des pays féminins, on utilise la préposition en. Par exemple, en France, en Algérie, en Italie, en Espagne. Je vais rester en France quelques jours. Préposition O. Avant les noms des pays masculins qui commencent par consonne, on utilise la préposition O. Par exemple, au Brésil, au Portugal, au Japon. Au Japon, je regarde les arbres de sakura. Mais les pays masculins qui commencent par voyelle vont utiliser la préposition en. Par exemple, en Irak, en Uruguay, en Ouganda. Je vais parler avec une amie qui habite en Ouganda. Préposition A et its. Avant les noms des pays pluriels, on utilise la préposition A ou its. Par exemple, aux États-Unis, aux Pays-Bas, aux Antilles. Je vais partir aux États-Unis. Exception. Il y a quelques noms de pays qui vont utiliser la préposition A, par exemple, certaines îles, à Cuba, à Madagascar, à Chypre, les principautés, à Monaco, à Singapour. Avec ça, nous avons fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour avoir vu cette vidéo. Si vous avez besoin d'étudier un autre thème, dites-nous lequel dans les commentaires. Aussi, rappelez-vous de vous abonner. Au revoir.